Bonjour et bienvenue sur la chaîne des Bébois. Cette semaine, on va créer un meuble pour la télévision. Bien, alors pour la fabrication de ce meuble, on va travailler avec du hêtre massif. Moi, ce que j'ai acheté ici, c'est du scié poncé, comme ça il est déjà pas trop mal calibré. Voici le plan de ce meuble. Vous retrouverez dans la description juste en dessous le lien pour avoir le plan de ce meuble. Donc nous, ce qu'on va fabriquer déjà, c'est les gros plateaux ici et les plateaux du meuble en dessous pour venir tout coller. Donc là, il y a une grosse phase de sillage, ravotage, dégauchissage, collage. On va faire ça ensemble, mais ça prend pas mal de temps. Allez, c'est parti! Bien, comme vous pouvez voir, ça y est, c'est raboté, c'est dégauchi, donc tout ça c'est bien d'équerre. Ici, on a bien les faces parallèles, l'équerrage est bon de chaque côté. Donc tout ça c'est bien vérifié, c'est bien plan, donc ça colle vraiment bien avec l'autre surface. Maintenant, on va être sur la partie collage. Donc là, je vous réexplique 30 secondes. Il y a Benoît, Pirard et Floki qui ont déjà expliqué le collage pour inverser cœur contre cœur et dos contre dos. Je vous remettrai les liens dans la description juste en dessous. Donc moi, j'ai fait le même repérage. Ici, on a bien le cœur avec les rayons ici. Ils arrivent. Alors, j'ai failli me tromper. Faites attention avec le trait de coupe. Là, on voit le trait de coupe. C'est la scie. Mais en fait, les rayons sont ici. Donc, le cœur, on le note avec les rayons ici. Le dos ici. Et à chaque fois, ce qu'on va faire, c'est qu'on va alterner
le cœur avec le cœur et le dos avec le dos. Ce qui fait qu'ensuite ici, quand on aura notre déformation, vu que ça va toujours resserrer, eh bien, on contraint de chaque côté à chaque fois. Voilà. Là, on passe sur la partie collage. Je vous montre ça et moi, j'ai encore pas mal de pièces à raboter et dégauchir pour continuer les autres planches. Bien, bon, on va s'arrêter là pour le moment, il y aura une deuxième partie. Moi ici, ça y est, tous les panneaux sont en train de sécher, de coller. Donc comme vous pouvez vous voir, ça y est ici, j'ai mes panneaux pour le meuble, ici le meuble bas, et les plus épais pour la partie haute. Comme vous pouvez remarquer, moi, quand je fais mes collages, je viens appliquer ici à chaque fois mes serre-joints pour bien appliquer les plaques, et je viens serrer ensuite les trois serre-joints pour faire mes panneaux. Là, il y a différents panneaux, donc je fais ça un peu partout. Ça évite le tuilage de chaque bois parce qu'on peut avoir un petit défaut d'équerrage et ça devient un panneau qui fait ça. Comme ça reste bien plan. Je laisse ça à peu près 1 heure. Et ensuite, une fois que c'est sec, au bout d'une heure, je retire cette partie-là et je laisse sécher le reste pour toute la nuit. Voilà, donc on se retrouvera dans une prochaine vidéo pour la suite où là, on va découper et on va assembler cette partie-là du meuble. Moi, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous rappelle le nom de la chaîne DB Bois. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, enfin vous savez tout ce qui vous reste à faire. Mais le plus important, prenez soin de vous. Allez, à la prochaine. Ciao.